Bonjour, bonjour les amis, bonjour Tartous. Content de vous retrouver en cette nuit là assez glaciale pour un mois de mai là, pour un, je crois, le 5 mai. On a eu une température de ici aux alentours de 3,5 degrés. Alors je vais vous dire, cette nuit je suis venu à quasiment à minuit moins le quart, je suis venu. J'avais préparé, je vous en avais parlé la vidéo précédente, j'avais préparé des bâches, j'avais préparé une vingtaine de seaux pour mettre sur les tomates. Hein. Voilà, hein, donc les tomates ici sont implantées. Et donc, je voulais vous avertir que tout ce qui est nord-est jusqu'à Paris, choses comme ça risque de donner sec. Hein. La nuit prochaine est une nuit aux alentours de zéro. Voire moins 1, moins 2 dans l'est. Alors croyez-moi, essayez de protéger au maximum. Alors les échalotes, ça craint rien. L'ail, ça craint rien. Les poireaux, ça tient le coup. Voilà. Tout ce qui est salade, apia, rosée, etc. Bon, ça va. Hein. Alors essayez de mettre des bâches. Essayez de mettre des protections. Alors, ici, je vais vous faire voir ce que j'ai mis. Moi, pour tout ce qui est haricots verts, choses comme ça, bah, ça craint, hein. C'est assez craignos, hein. Allez, les amis, on va faire le tour. Alors, vous voyez un truc qui est très bien pour les tomates. Eh bah, ben, moi, je mets un seau carrément, hein. Je mets carrément un seau. Alors, ça vous fait une bonne protection quand même. Voilà, un seau dessus. Donc je mets ça à tous mes petites tomates là. Hein. Là, pour ce qui est des haricots verts, regardez, bon bah je mets un genre de, c'est un truc de, un système un petit peu alvéolé. Enfin bref, c'est des restes. Alors j'ai trouvé ça au fameux magasin vert là, qui commence par L&M. Donc vous comprenez là ce petit magasin là. Et bah, l'année passée j'ai fait un parquet flottant et on met ça, c'est contre le bruit, hein. Voilà, donc voilà, vous pouvez sur, bon moi c'est parce que c'est des restes, hein. Donc j'ai couvert un peu mes pommes de terre là et tous mes haricots verts là, mes haricots verts, mes poivrons qui sont en dessous, vous voyez, tout est couvert. Voilà. Et la nuit prochaine s'annonce terrible, 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 hein. Voilà, bon, les salades, tout ça, ça craint rien, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais ce qui est surtout, c'est haricots verts et pommes de terre, hein. Donc là, c'est craignos, hein. Et ben, les vignes, je peux rien faire. Les vignes, je peux rien faire. Ah ouais, surtout, protégez bien vos courgettes. Courgettes, enfin, si vous avez belle de les rentrer à l'intérieur, dans votre garage et tout, si c'est en pot, bah, rentrez-les dans votre garage. Mais surtout, protégez bien vos pied de tomates. Tomates, c'est craignos, hein. Tout ce qui est thym, lavande, tout ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas grave. Hein. Persil, tout ça craint rien. Hein. Mais c'est surtout, surtout tout ce qui est courgette, c'est très très fragile. Hein. Un coup de gelée là-dessus, il n'y en a plus. Hein. Bon, allez les amis, bah, bonne chance pour la nuit prochaine. Ça va cartonner, hein, ça va cartonner. Il y a pas mal de prévisions négatives. Allez, je vous embrasse bien fort. Et je vous aurais prévenu, il vaut mieux protéger que de bah, pleurer après. Hein. Allez, 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 je vous souhaite un sacrément bon dimanche. À bientôt. Bye bye. Ouais, vous pouvez aussi utiliser, vous n'avez pas tout ça, tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez utiliser aussi du carton. Du carton, c'est bien aussi, c'est une bonne protection, c'est un très bon isolant le carton. Des bacs en polystyrène, des choses comme ça. Voilà, ou alors de. J'ai entendu aussi du papier journal. Du papier journal, c'est bien aussi sur vos pommes de terre. Si vous n'avez pas trop de vent, bon, le papier journal, ça s'envole, c'est ça le mauvais côté. Hein. Mais tout ce qui est alvéolé, tout ça, c'est très bon. Allez, à bientôt, bye bye.